Place à présent à notre invité. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, madame. La sortie officielle de votre parti a eu lieu aujourd'hui. Commençons par l'appellation Front Patriotique. Y a-t-il une explication? Oui, le nom en lui-même, il est très révélateur. Front Patriotique, c'est un appel au sursaut patriotique, à l'amour de la patrie. Et surtout à ressusciter l'idéal de l'identité nationale qui est une fierté. Et pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour créer ce parti? Écoutez, il faut bien commencer un jour. Et puis, nous ne faisons que faire usage de notre droit constitutionnel de nous regrouper en association. Et il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour prendre part à la vie de la nation. Et nous avons choisi de créer un parti pour mettre notre pierre à l'édifice. Madame, nous avons suivi le reportage et votre parti est donc en partie du centre. Et nous nous sommes rendus compte également que nous pouvons dire que ce parti est aussi une réponse à certaines pratiques peu commandes qui aliènent aujourd'hui la jeunesse congolaise. En effet, vous êtes sans ignorer qu'actuellement, nous vivons une ère de dérèglement total de notre société, avec des antivaleurs, notamment la corruption. Et il est temps que nous nous levions tous ensemble pour reculer les barrières de ces carcans rétrogrades qui nous tirent vers le bas. Il est temps que chacun de nous prenne ses responsabilités. Et nous avons compris qu'une page de notre histoire vient de se tourner avec l'avènement de la nouvelle République. Et donc, il faut des nouvelles valeurs, des nouvelles habitudes. Et aussi, nous devrons savoir que dans la nouvelle République, il n'y a pas de place pour le laxisme et la sclérose. Voilà. Le Front Patriotique parle du vivre ensemble. Est-ce par l'effet de mode? Sinon, quel sens donnez-vous à ce terme? Ce n'est pas par effet de mode. Nous sommes tous ici au Congo et nous savons que nous vivons une crise sociale, dans ce sens que notre cohésion sociale est désormais fragmentée. Et il faut urgemment restaurer, n'est-ce pas, cette cohésion qui est désormais mise à mal. Et donc nous avons pensé proposer la mise en place d'un sentiment d'appartenance nationale. Et à travers le Front Patriotique, nous proposons une approche de nationalisme libéral. Et il faut préciser que nous ne sommes pas dans une démarche qui consiste à instaurer la peur de l'autre. Nous croyons en une forme de nationalisme non xénophobe qui est compatible aux valeurs d'égalité, de tolérance et de... Allez-y, voilà, je disais, nous croyons en une forme de nationalisme non xénophobe, donc compatible aux valeurs d'égalité, de tolérance et les libertés et les droits individuels. Voilà, présidente d'un parti politique, peut-on imaginer Destinée Dougaka, candidate à la présidentielle? Un jour, bien sûr. Nous ne sommes pas un parti de circonstances. Nous sommes là pour rester. Nous sommes un parti d'avenir. Et s'il est dit qu'un jour, l'un de nous, pas uniquement Destinée Dougaka, l'un de nous, dans le Front Patriotique, pourrait avoir un destin national. Pourquoi pas? L'un de vous, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas vous? Oui, pourquoi pas? Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour présentement. Vous êtes si jeune et vous venez de vous lancer dans la politique. Pensez-vous être à la hauteur? Je ne pense pas que c'est une question de hauteur ou pas, mais c'est une question d'engagement, de conviction. Et donc, si on a la foi dans ce qu'on fait, rien ne peut nous arrêter. Une dernière question, Madame Destinée. L'élection présidentielle de 2016 a été fixée par le chef de l'État courant le premier trimestre de l'année 2016. Quelle lecture faites-vous de ce message du chef de l'État?
Madame Zita Balou, depuis environ 3 ans, sinon plus, nous évoluons au rythme d'un certain nombre de quiproquos politiques. Cela a commencé par le quiproquo sur le débat sur la constitution du 20 janvier 2002. Ensuite, nous sommes passés à un autre quiproquo qui orbitait autour de la question du référendum. Après, nous sommes passés à un autre quiproquo en rapport avec cette période de transition hybride que nous vivions. Nous étions à cheval entre l'ancienne loi fondamentale et la nouvelle, et donc cela a fait beaucoup jaser. Mais aujourd'hui, que le chef de l'État, dans ses prérogatives, n'est-ce pas, a évoqué l'article 244 de la loi fondamentale du 6 novembre 2015, et il a anticipé les élections, cela fait encore jaser parce que nous voyons apparaître une nouvelle forme de quiproquo. Alors à cela, j'aimerais m'adresser aux acteurs politiques. Nous devons comprendre que l'heure n'est plus au débat inutile. Il nous faut passer à l'action. Le vouvouzélisme fantasmatique n'a jamais fait évoluer une nation. Donc il n'y a pas de débat, on ne va pas pérorer là-dessus. Il nous faut regarder désormais vers ces échéances qui ont été annoncées par le chef de l'État. Et nous avons entendu dire qu'il y a des gens qui se plaindraient de ne pas être suffisamment prêts. Mais nous estimons qu'on est toujours prêt dans la mesure où on a... et que l'on se prépare chaque jour. Et donc, nous invitons le peuple congolais à prendre leurs responsabilités et à rentrer dans cette nouvelle ère de la nouvelle république qui a été, que nous tous, nous avons choisie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.